Bonjour. Aujourd'hui, je dois vous dire que je suis intriguée par la notion de mutualisme. Bon, d'accord, vous me l'avez dit. Le mutualisme, c'est un fonctionnement structurel qui donne une voix par adhérent, comme à Serre France, et qui utilise ces voix pour désigner les administrateurs des associations départementales. Parmi les adhérents ? C'est aussi une forme juridique associative qui place l'entreprise dans le secteur non marchand. Une association dirigée par les adhérents, dont les bénéfices sont réinvestis dans l'activité au service des adhérents plutôt que transformés en dividendes. Ça veut dire aussi que c'est une entreprise qui n'a pas d'actionnaire et qui n'est pas à vendre. Elle est faite pour durer longtemps. Ce qui lui permet de donner priorité au long terme. Dans une économie au service de l'homme, avec un grand H. Parce qu'on est bien d'accord, l'économie, c'est un outil au service des hommes, pas une fin en soi. On est bien d'accord. Comment ? Le mutualisme, c'est aussi un état d'esprit. Par exemple ? Permettre un travail pluridisciplinaire en mutualisant outils et compétences répartis entre plusieurs entreprises pour développer une activité qu'on ne pouvait envisager en solitaire. Ce qui compte, c'est le savoir-vivre ensemble pour qu'on puisse transmettre à ceux qui arrivent après nous. C'est l'essentiel. La technique et le financier, c'est accessoire. Ce qui est primordial, c'est de pouvoir travailler et vivre ensemble. Le dialogue, parler, toujours parler, et faire abstraction de certaines choses pour qu'on puisse fonctionner ensemble. À l'heure où le monde se construit sur la concentration, la mutualisation des moyens et des savoir-faire est indispensable aux très petites structures, comme aux petites et aux moyennes, si elles veulent éviter d'être fondues dans les grandes. Aujourd'hui, dans mon café, je prendrai 3 sucres. Le commerce de proximité, l'agriculture paysanne et le service à la personne. Être une association qui accompagne tous les acteurs économiques d'un territoire, de façon collaborative, individuelle et équitable, gouvernée par des adhérents, c'est un vrai choix. Votre ADN mutualiste et l'esprit associatif, ça apporte une vraie couleur dans notre relation. Mais ce n'est pas que du chiffre, c'est vraiment de l'accompagnement humain. L'esprit d'équité dans la relation et de construction collective se trouve dans les partenariats, qu'il s'agisse de chambres consulaires, de bassins d'emploi, de fédérations des gîtes de France, d'un office de tourisme ou d'un service public d'aide au développement territorial. Après tout, le mutualisme, c'est un peu la mise en pratique du précepte de fraternité, non ? Pour moi, la différence entre être cliente ou adhérente, ça veut dire quelque chose. Et ça donne tout son sens à la façon que j'ai d'être accompagnée ici. Et vous, vous en pensez quoi ?